Anura Kumara Dissanayake a prêté serment en tant que 10e président du Sri Lanka. Âgé de 55 ans, il s'est présenté aux élections de samedi en tant que chef de la coalition nationale pour le pouvoir du peuple de tendance marxiste. AKD, comme l'appellent ses partisans, a recueilli un peu plus de 42% des voix et a battu 37 autres candidats. Sa victoire intervient 2 ans après la pire crise économique suivie d'émeutes de l'histoire du Sri Lanka. Il doit maintenant guider le pays à travers les difficultés financières et les bouleversements politiques.